Pumba, du calme. Tu peux pas faire attention, non? Vous allez être content de ce que je vous apporte. Bon, allez, tiens-toi tranquille. Assis, Zumba. De quoi s'agit-il? Kram Berthold. C'est formidable. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, dans les archives de Maître Renz. J'étais certaine qu'il y avait un dossier le concernant. C'est moi qui l'avais classé. Apparemment, c'est une vieille affaire. Soyez gentil, posez-le sur mon bureau. Je verrai ça tout à l'heure. Bon, eh bien, je vais vous laisser. J'ai sorti Umba tout à l'heure. Merci, Elga, et bonne soirée. Vous aussi. Merci. Ah, Elga. Oui. Vous n'avez pas réussi à joindre M. Matula? Non, j'ai encore essayé à l'instant, mais il n'y a personne chez lui. J'ai laissé un message sur son répondeur. Je lui ai dit que vous l'attendiez ici. Très bien. Ne bouge pas de là. C'est Monsieur Matula. Tu sais bien, tu le connais. Bonsoir. C'est vous, Franck? Je suis Maître Franck, oui. Que voulez-vous? Ah ben, dis donc, vous n'êtes pas facile à trouver. Je peux entrer, vous permettez? Je regrette, les bureaux sont fermés. Je ne pouvais pas venir plus tôt. J'ai besoin de vous. J'ai une question à vous poser. Expliquez-moi en deux mots de quoi il s'agit. Il s'agit de votre prédécesseur. Vous voulez dire Maître Renz? Il a cessé toute activité. Oui, je sais, je suis venu au bureau, il y avait des ouvriers. Ils m'ont dit que c'était vous qui aviez pris sa succession. Ce n'est pas tout à fait exact, mais enfin, vous pouvez revenir demain, je vais vous donner un rendez-vous. Mais je viens de vous le dire, c'est urgent. Suivez-moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment vous appelez-vous et que puis-je pour vous? Est-il mort, votre chien? Uniquement si on m'attaque. Vous me dites que vous êtes un ancien client de Maître Renz? Faites-le sortir d'ici. Pardon? Votre chien, faites-le sortir. Pourquoi? Vous voyez bien qu'il est calme. Je ne supporte pas les chiens. J'arriverai pas à parler. Vous êtes très exigeant, dites-moi. Allez, Umba, viens. Va m'attendre à côté. Il n'y en a pas pour longtemps. Maintenant, venons-en au fait, parce que je n'ai pas l'intention de rester là toute la nuit. Alors, pour commencer, votre nom, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit, je suis venu vous voir à cause de Renz. Puisque c'est vous qui êtes son successeur. Moi, je vous ai déjà dit que je n'étais pas vraiment son successeur. J'ai pris en charge certains des clients de Maître Renz et j'ai conservé tous ses dossiers, voilà tout. Tous ses dossiers? Oui, enfin, ceux de ces 5 dernières années. Alors, il suffit de regarder dans les dossiers. Il s'agit d'un ami que Renz avait défendu. Donc, vous n'êtes même pas client de Maître Renz? Contrairement à ce que vous vouliez bien me laisser croire. Non, je suis votre client à vous. J'ai besoin de son adresse. L'adresse de votre ami? Nous n'avons pas le droit de fournir de tels renseignements. Non, pas l'adresse de mon ami, l'adresse de sa fiancée. Je vous le répète, les avocats sont tenus au secret professionnel. Et je n'ai donc pas le droit de vous donner ce renseignement. Mais puisque c'est urgent, vous pouvez faire une exception. Si jamais vous laissez entrer votre chien, je vous préviens, je le crève. Vous voulez en faire quoi de cette adresse? Je veux que la fiancée me dise où se trouve mon ami. Il faut que je lui parle. Et la fiancée en question, comment s'appelle-t-elle? J'en sais rien, je la connais pas.
Tout ce que je sais, c'est son prénom et l'endroit où elle habitait. Elle s'appelle Yvonne. Mais elle n'habite plus au même endroit. Et votre ami, comment s'appelle-t-il, votre ami? Kram. Son prénom, c'est Berthold. Je comprends, mais même si j'avais le dossier de cette personne, je ne suis pas sûr... Vous avez sûrement le dossier, puisque c'est Renz qui l'a défendu. Mais vous venez de me dire que vous ne cherchez pas votre amie, mais sa fiancée. Et pour quelle raison est-ce que son nom figurerait dans le dossier? Elle est venue déposer comme témoin. Mais depuis cette époque, elle a changé d'adresse. Vous venez vous-même de le dire. En tout cas, son nom s'y trouve certainement. Et son témoignage aussi. Et plein d'autres choses. Et il y a des chances qu'il y ait sa nouvelle adresse. C'est possible. Mais vous pouvez le constater, nous sommes là en plein déménagement. Le problème est que les caisses contenant les anciens dossiers ne sont pas encore arrivées ici. Elles sont où? Elles sont dans le bureau de Maître Renz. Il n'y a plus aucune caisse là-bas. Bien sûr qu'elles y sont. Où voulez-vous qu'elles soient? J'en viens de son bureau. Il y a des ouvriers partout. Est-ce que vous êtes allé regarder dans la cave? Maître Renz a rangé les archives dans sa cave. Et les caisses contenant les dossiers sont là-bas. Bon, d'accord. Alors, on y va. Et je vous conseille pas d'essayer de me rouler. Ça suffit, maintenant. Je ne vais nulle part avec vous et j'appelle la police. Moi non plus, je vous le conseille pas. Vous venez avec moi et vous m'obligez pas à vous y traîner de force. Vous savez comment on appelle ça? Une prise d'otage. J'espère que vous savez ce que vous risquez. Quoi? Qu'est-ce que je risque? Je vous ai pris comme avocat. Je vous paierai. Vous devez m'aider. Ah vraiment? Vous croyez ça? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. C'est peut-être un client. Je croyais que les bureaux étaient fermés. Ça ne vous a pas empêché, vous aussi, de sonner à ma porte? Je vais ouvrir. Attendez ici. Vous ne bougez pas. Maintenant, je vais ouvrir et vous ne pourrez pas m'en empêcher. Ne croyez pas ça. On va attendre. On va attendre tranquillement qu'il s'en aille. Il n'est pas question que quelqu'un sache que je suis là. Et je vous conseille d'être discret. D'ailleurs, vous me l'avez dit. Vous êtes tenu au secret professionnel. Passer. C'est la route la plus rapide. Là, vous avez la priorité, là. Allez, passez, passez. On n'est jamais sûr que les gens vont s'arrêter.
ici. Vous me conduisez vraiment comme un pied. Allez, roulez, quoi. Ça va pas la tête, non? Vous pouvez pas faire attention? Mais on joue aussi, voyons. Allez, allez, descendez, descendez, venez voir mon feu arrière. Mais c'est vous qui êtes responsable. D'abord, vous me coupez la route et ensuite vous pilez net. Et comment je pouvais prévoir que vous alliez faire ça, quoi? Oh, vous feriez mieux de laisser conduire votre chien. Non, mais mon chien, quel chien? Votre chien d'aveugle. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en acheter un. Je vous ai très bien vu et vous faites attention. Vous avez vu la place libre, puis vous avez vu que j'allais me garer, alors vous avez essayé de m'empêcher. Je vais chercher la police. Ah, écoutez, ça n'en vaut pas la peine. C'est pas si grave que ça. C'est pas si grave. Ça n'en vaut pas la peine. Vous avez embouti ma voiture. Vous êtes en tort et vous paierez les réparations. Oui, il y a un téléphone. Que j'appelle la police. Il est parti? Ouais. Ouais, il abandonne, il fiche le camp. Bon, on continue quand même. Mais enfin, calmez-vous. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. On va aller boire un petit café tranquille et on essaiera de se mettre d'accord. Ouais, mais c'est vous qui paierez. Et si vous refusez de payer, j'appelle la police. Vous n'ouvriez pas, alors je me suis dit, il est avec une cliente un peu particulière, il ne veut pas qu'on le dérange. En vous voyant sortir avec ce type, j'ai été déçu. Bonjour, qu'est-ce que vous prendrez? Bonjour, deux cafés. Deux tasses ou dans un pot? Deux tasses. Oui, pour moi aussi, ce sera un café. Puisque vous prenez la même chose, vous auriez pu... Oui, ça ira, merci. Un café chacun, ça fait deux en tout. Merci. Racontez-moi. Qu'est-ce qui vous laisse, ce type qui était dans votre voiture? Je vais d'abord vous dire ce que j'attends de vous. Il s'agit de monsieur et madame Gerdes, ce sont d'anciens clients de Rennes. Hier, madame Gerdes a fait une rencontre particulièrement déplaisante et comme son mari part aujourd'hui en voyage pour plusieurs jours, il cherche quelqu'un... Quelqu'un qui s'occupe de sa femme pour éviter que ça se reproduise. Exact. Ce genre de travail vous intéresse? Ça dépend. Elle a de quoi payer? Ou à défaut, est-ce qu'elle s'offre en compensation? Je dirais l'un et l'autre. Ah, dans ce cas, ça m'intéresse. Il lui voulait quoi, ce type? C'était pour la bagatelle ou il lui voulait vraiment du mal? Madame Gerdes est dans la publicité, d'après ce que j'ai compris. Et hier soir, lorsqu'elle est rentrée chez elle après son travail, elle a été abordée par quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Cet homme lui a demandé des nouvelles d'un certain Bertie. Il voulait savoir s'il avait été libéré comme prévu, où il se trouvait. Madame Gerdes lui a répondu qu'il devait la confondre avec quelqu'un d'autre. Mais le type a refusé de la croire. Il a commencé à devenir brutal. Mais heureusement, le mari de Madame Gerdes est arrivé et il a filé. Intéressant. Mais quel rapport avec tout à l'heure? La femme avec laquelle l'homme a confondu Madame Gerdes s'appelle Yvonne Schulz. Et l'homme qui était dans ma voiture était venu me trouver dans mon bureau pour me demander l'adresse de cette même Yvonne Schulz. Et vous croyez que c'est ce même type qui a brutalisé Madame Gerdes? Oui. Moi, il m'a menacé avec un revolver. C'est qui Yvonne Schulz? C'est la locataire précédente de la maison où habitent les Gerdes. Rennes s'était occupé des formalités. À votre type, vous lui avez donné l'adresse? Non, d'autant que je n'ai pas. Ouais. Et qu'est-ce qu'il veut? Il vous en a parlé? D'après ce qu'il m'a dit, il aurait besoin d'elle pour l'aider à retrouver un de ses amis, un dénommé Bertolt Kram, qui serait sorti de prison récemment. Et qui était lui aussi un client de Rennes. Et pourquoi il cherche à joindre Kram? Aucune idée. Vous pourriez peut-être appeler Rennes, là où il est, en Toscane. J'ai appelé ce matin même, juste après que monsieur et madame Gerdes soient passés me voir. Bien évidemment, Rennes ne se souvient d'aucun détail. Il s'agit d'une affaire qui date quand même de 3 ans. Mais il se rappelait que c'était lui qui avait défendu Kram. Voici vos deux cafés. Ça ne vous ennuie pas si j'encaisse tout de suite parce que j'ai fini ma journée? Ah, c'est bien dommage. J'ai encore plein de travail. Mais ne désespérons pas, on trouvera peut-être une autre occasion. Gardez tout. Merci. Mais pourquoi? Pardon? Pourquoi Rennes a défendu Kram? Et Kram comparaissait pourquoi? Pour effraction d'une succursale de la Caisse d'épargne.
J'ai tout de suite demandé qu'on m'apporte le dossier. Et j'ai déjà appris quelque chose. Kram avait un complice au cours de cette effraction, Heinz Rose. C'est un peu plus clair. Vous pensez que le type de tout à l'heure est... Ouais. Son complice. Ça ne répond pas chez Madame Gerdes. Apparemment, elle n'est pas là. Bon, ben, j'y vais, alors. Oui, c'est plus sûr. Mais pendant ce temps-là, je vais voir comment on peut joindre cette Yvonne Schulz. Par ici, madame. Si vous voulez bien le suivre. Commissariat central, j'écoute. Dites-moi, ça va bientôt faire une demi-heure que j'attends. Alors, pour une simple adresse, ça va durer encore longtemps. Vraiment désolé de nous avoir fait attendre. Je m'appelle Helwig, commissaire principal Helwig. On m'a fait savoir que vous étiez venu ici pour obtenir un renseignement. Vous recherchez l'adresse d'une certaine Yvonne Schulz, c'est exact? Oui. Je m'appelle Franck et je suis avocat. Est-ce que vous pourriez me dire pour quelle raison vous voulez cette adresse? J'ai une raison personnelle pour vouloir joindre Madame Schulz. Une raison professionnelle. Est-ce que ça vous suffit? Non. Dans ce cas, vous ne seriez pas venu ici vous-même, et encore moins à une heure pareille. Et si vous commenciez par me dire pour quelle raison la police a besoin de savoir pourquoi Madame Schulz m'intéresse? Parce que Madame Schulz nous intéresse aussi, voilà tout. Nous jouons vraiment au chat et à la souris. Est-ce que la police connaît le nouveau domicile de Madame Schulz? Oui. Vous savez, on peut vous obliger à répondre à nos questions. Je n'en suis pas si sûr. Et je suis prêt à vous dire tout ce que vous voulez. Mais uniquement en présence de Madame Schulz. Dans ce cas, c'est parfait. Elle a quitté Francfort il y a 3 ans pour s'installer à Wiesbaden. Si vous voulez, on peut y aller tout de suite. Elle est chez elle. Madame Gardès, non, n'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal. C'est Maître Franck qui m'a dit de venir. Je m'appelle Matula, je peux vous montrer mes papiers. Ils sont dans la voiture. Non, ce n'est pas la peine, Monsieur Matula, je vous crois, merci. Maître Franck m'avait justement donné votre nom. D'habitude, je ne suis pas peureuse, mais depuis que l'autre jour... Je sais, je suis au courant. Ça s'est passé où? Ici, dans le jardin, devant la maison. Mais entrez donc, je vous en prie. Je vous en prie. Permettez. Merci. Je vais me faire du café. Vous en voulez aussi? Le salon se trouve là. Installez-vous. La lumière est à droite en entrant. Monsieur Matula ?
Venez voir dans la cuisine. Venez voir ce que j'ai découvert. Monsieur Matula? N'allumez pas. Allez d'abord fermer les rideaux. Et attention. Vous avez pris la succession de Maître Renz? Ce n'est pas vraiment sa succession. Je n'ai gardé en fait que sa secrétaire et une toute petite partie de sa clientèle. Et je m'occupe de certains dossiers qui étaient en cours. Et apparemment de l'affaire Berthold Kram. Là aussi, vous faites erreur. Je ne sais même pas en quoi consiste cette affaire. Mais vous avez néanmoins une raison de vous y intéresser. Oui, je m'apprêtais justement à lire le dossier. Lorsque j'ai été dérangé. Vous permettez que je devine par qui? Soit il s'agissait de Berthold Kram en personne, soit de Heinz Rose. Ils ont été condamnés ensemble, et tous les deux à 4 ans et demi, à la suite d'une effraction dans une succursale de la Caisse d'Épargne. Ils se sont fait prendre pour peu de choses. Après avoir purgé les deux tiers de leur peine dans des prisons différentes, ils viennent d'être libérés sur parole. Berthold Kram, ce matin même. Et Rose, il y a 2 jours. Ça vous avance à quelque chose, que je viens de vous dire? Oui, merci. Alors, à vous de parler, maintenant. Je vous demande de me comprendre et de ne pas insister, monsieur le commissaire. Il s'agit de mon client. Et je suis tenu par le secret professionnel. Serrez plus fort. Encore un tour, allez. Alors, ma belle, j'espère que tu te souviens de moi. Oui. Vous êtes venu hier. Vous m'avez agressé. Vous cherchiez une autre femme. Exact. Et maintenant, les pieds. Je vous ai dit que je ne savais pas où était cette femme. Et c'était une erreur. Quand on vous demande poliment, la moindre des choses, c'est de répondre aussi poliment. Mais je vous répète que je ne sais pas où elle habite. C'est qu'elle a déménagé d'ici. C'est dommage pour toi. Tu ne m'as pas répondu, alors j'ai dû revenir. Et maintenant, je n'ai plus qu'une solution. C'est d'attendre ici. Qui, lui? C'est un ami. Tu me prends pour un idiot? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je vous assure, c'est un ami. Il me rend visite. Hé, réveille-toi. Tu m'entends? On s'est déjà vu. Il y a 2 heures, tu étais dans une voiture, et moi dans une autre. Et il y a eu un accrochage. Et voilà qu'on se rencontre de nouveau ici. Comment ça se fait? C'est un hasard. Je crois pas au hasard. Qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici, j'habite dans cette maison. Et tu voudrais que je croie à ces babas? Il y avait un autre type ici hier. Lui,
Il est arrivé ici hier au moment où je bavardais avec elle. Allez, accouche, ton nom. Il s'agit d'une réunion privée. Puisque vous vous êtes introduit ici, c'est à vous de commencer par vous présenter. Oh. Tu te décides, oui ou non? Qu'est-ce que tu viens faire ici? L'homme de la photo, c'est mon mari. Il va revenir ici d'un moment à l'autre. Là, tu te trompes, ma belle. Il ne va pas revenir. Aujourd'hui, il ne nous dérangera pas. J'ai été dans la salle de bain et j'ai fouillé partout. Il n'y a pas de rasoir, il n'y a qu'une brosse à dents. Il y a toutes les chances qu'il soit parti en voyage. C'est l'occasion que vous attendiez tous les deux, pas vrai? Le mari s'en va et lui, il débarque. Pour la dernière fois, tu t'appelles comment? Mathula. Tu te fous de moi en plus. Où est-ce que tu vas chercher un nom pareil? T'as peut-être un passeport ou une carte d'identité? Tout est dans mon portefeuille. Et où est-ce qu'il est? Dans mon blouson. Et ton blouson, il est où? Il est chez moi à la maison. J'habite tout près d'ici. Ma femme doit d'ailleurs se demander ce que je fais. Ta femme. Tu lui as sûrement pas dit où tu allais à ta femme. Son mari est en voyage et tu viens passer ici un petit moment. La pratique. T'as besoin que d'une chose, c'est dans ton pantalon. Pas la peine de t'inquiéter, ma chérie. Ce que tu attendais, tu vas y avoir droit quand même. Il va juste falloir patienter un petit peu. Si tout se passe comme je l'espère, c'est moi qui vais te la faire, ta fête. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, je te laisserai regarder. Vous me recevez? Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir. Elle est dans son appartement ou dans l'atelier? C'est impossible à déterminer. Bon, dites-moi. Il s'est passé quelque chose? Rien. Merci. On va monter à l'atelier. Nous sommes deux. Vous restez à votre poste. Terminé. Terminé. Vous faites surveiller Yvonne Schulz? Ce que je vous ai proposé tout à l'heure, ça tient toujours. Je suis prêt à jouer carte sur table, à condition que vous aussi. Tant pis, comme vous voulez. Elle était la directrice d'une boutique de mode à Francfort. Elle en est partie il y a 3 ans et s'est retrouvée avec plein de fric. Alors elle est venue s'établir ici. Et elle a ouvert ce magasin qui a l'air de pas mal marcher. Je vous en prie, entrez. Merci. Madame Schulz, je ne vous dérange pas longtemps. Je tenais à vous rencontrer le plus vite possible, simplement pour vous mettre en garde. J'ai reçu il y a quelques heures la visite d'un homme qui a refusé de me dire son nom. Il exigeait de moi que je lui donne votre nouvelle adresse. Et lorsque j'ai refusé de le faire, il m'a menacé avec un revolver. C'est assez le genre de votre fiancé Kram, vous ne croyez pas, ou de son ami Heinz Rose? Bertie, Monsieur Kram n'aurait jamais fait ça. Non? Et pourquoi pas? Il connaît mon adresse. Et je vous signale que nous ne sommes plus fiancés. Je sais que la locataire de votre ancienne maison a eu affaire, elle aussi, à quelqu'un qui voulait se procurer votre adresse. Il est probable que c'était le même homme. Au début, il a pris cette personne pour vous, et ensuite... Dites-moi, il y a quelque chose qui brûle. Oh. On vous a dérangé, on dirait. Vous auriez dû nous dire que vous n'étiez pas sale. Eh bien, Sortez de là, les mains en l'air! Je me doutais bien qu'il allait venir ici. Les mains en l'air. Jambes écartées. Allez, on se dépêche. Maintenant, tournez-vous. C'est cet homme-là qui vous a menacé? Non.
Toujours le même cinéma, Helwig. Vous n'en avez pas encore assez de vouloir me mettre sur le dos tout ce qui se passe? Si vous êtes blanc comme neige, pourquoi vous êtes-vous caché à notre arrivée? Je ne me suis pas caché. J'attendais simplement à côté parce que je ne tiens pas à vous rencontrer. Vous me donnez envie de vomir. Allez, allez. Crache ta bile. Allez, je t'en prie, vas-y. Et quand tu auras fini, j'aimerais savoir ce que tu fais ici, le soir même de ta libération. Puisque, paraît-il, vous n'êtes plus fiancé. Je trouve ça plutôt bizarre. Et tu me diras aussi comment tu es entré ici sans que personne ne te voie. Vous voulez dire comment je suis rentré au nez à la barbe de votre collègue qui est devant la porte? Rien de plus facile. J'ai attendu qu'il lui prenne l'envie de pisser. Et pourquoi tu ne voulais pas qu'il te voie? Mais parce que je vous connais, Helwig. Je ne connais personne qui soit aussi têtu. Ce qui est enfoncé dans votre vieille caboche de flic, pas moyen de vous persuader du contraire. Même avec un alibi, vous me croyez coupable. Bertolt. Je sais combien ils vous coûtent, vos alibis. Vous êtes le seul à croire ça. Et vous continuerez à le croire quand vous serez à la retraite. Arrête, Bertolt, je t'en prie. Parce que sinon, vous devriez admettre que vous pouvez vous tromper. Oui, même vous. Et ça, c'est impossible, prétentieux comme vous l'êtes. Allez, tirez-moi dessus, qu'on en finisse, puisque ça vous démange. Pourquoi ne pas me tuer, tout simplement? Non? Alors, je m'en vais. Cram, vous partirez quand je vous le dirai. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. J'ai purgé ma peine. C'est terminé. Je suis libre. Vous savez comme moi que vous n'avez été pris que pour un délit mineur. Vous en avez commis un bien plus grave. Pour celui-là aussi, vous allez devoir payer. Vos discours m'ennuient, Helwig. Madame Schultz, je manque de patience et vous risquez d'en faire les frais. Pourquoi était-il là? Je n'en sais rien, je vous assure. Il venait tout juste d'arriver, quelques minutes avant vous. J'ai décidé de me séparer définitivement de lui à la suite de son arrestation. La police ne veut pas ne pas le savoir. Toutes les lettres que je lui ai écrites en prison ont été ouvertes et lues, sûrement. Il n'a pas l'air d'en vouloir de cette séparation et vous, vous avez peut-être changé d'avis. Au bout de 3 ans, je vous signale que je ne lui ai pas rendu une seule visite. Le fait de se retrouver libre, ça peut changer beaucoup de choses, aussi bien de son côté que du vôtre. Et puis je n'oublie pas qu'il a votre adresse. Par qui? Nous avons toujours des amis communs. Je vous demande de me croire, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il me voulait. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Il a quand même bien dû vous parler de quelque chose. Non, de rien de spécial. Il m'a demandé pour quelle raison j'avais déménagé de cette maison, de Francfort, alors que je venais de dépenser de l'argent pour la rénover. Si j'avais une raison particulière. Et alors? Est-ce que vous aviez une raison particulière? Non. Je ne voulais plus vivre là-bas. À partir du moment où je savais que mon fiancé, avec qui j'allais vivre dans cette maison, était un criminel. C'est tout et pour moi c'est une raison suffisante. Il y a aussi le dénommé Rose. Rose? Oui, en tout cas, quelqu'un l'a vu là-bas hier soir devant la porte d'entrée. Oui, Heinz Rose, son complice. Vous allez aussi nous faire croire que vous ne le connaissez pas? Non, je ne le connais pas. Non, mais il y a un certain Heinz Rose dont Bertolt, enfin, Monsieur Kram, m'a parlé tout à l'heure. Il voulait savoir si je l'avais rencontré. Ou s'il avait essayé de prendre contact avec moi. C'est peut-être leur lieu de rendez-vous. Il est possible qu'ils se retrouvent là-bas tous les deux. Vous arrivez à temps. Il y a quelqu'un qui vient juste de sortir. En Aurélie Kram. Il a sauté dans un taxi qui passait. Il avait l'air drôlement pressé. Alors cette fois, vous n'étiez pas allé pisser. Excusez-moi, il faut que j'appelle là-bas. Il y a un ami avec qui je travaille qui doit s'y trouver. C'est un type bien, tout ce qu'il y a de sérieux. Merci. Attention, pas de bêtises. Je sais ce que tu dois répondre. Oui, ici Madame Gardès. Oui, un moment. Ne quittez pas. C'est pour lui. C'est qui à l'appareil? Un homme.
Il ne m'a pas dit comment il s'appelait. Mais comment est-ce qu'il sait que t'es là? Bah, aucune idée. Je sais même pas qui est au téléphone. Vous voulez que je dise qu'il n'est pas ici? Ouais. Non. Sinon, il va croire que... Non. Je te préviens, pour toi, c'est la même chose que pour elle. Un mot de travers et... Tiens-lui le téléphone. Ouais. Rainer, ça fait plaisir de t'entendre. Monsieur Matula, c'est vous? Maître Franck à l'appareil. Non, non, je peux pas, non, pas aujourd'hui. Que se passe-t-il? Il y a quelqu'un? Vous ne pouvez pas parler? Monsieur Matula, vous êtes en danger? Non, c'est même pas la peine que je lui demande. On préfère rester seuls tous les deux, on n'a pas l'occasion de se voir si souvent. Vous avez besoin d'aide? Bien sûr. Une autre fois, sans problème. On s'appellera. Monsieur Matula, écoutez. Si vous répondez oui maintenant, je comprendrai que vous êtes en danger et que vous avez besoin d'aide. Ouais. Ouais, toi aussi, Rainer. À la prochaine. Salut. Il faut qu'on aille là-bas. Allez-y, démarrez. Je vais demander des renforts en voiture et en effectif. Vous avez vu qu'on pouvait se montrer coopératif. On a fait tout ce que vous vouliez. Tous les deux. C'est vrai. Eh bien alors, maintenant vous allez nous dire ce que vous attendez. Elle est déjà au courant. J'attends l'arrivée d'un ami. Et s'il arrive, qu'est-ce qui se passera quand il sera là? Tu le verras toujours assez tôt. Et s'il ne vient pas? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous ferez de nous? Viendra. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ça s'est passé au cours du même week-end que l'effraction de la succursale de la Caisse d'Épargne, le samedi à l'heure de l'ouverture. Le bijoutier a été assassiné et son meurtrier s'est enfui, avec de l'argent et des bijoux d'une valeur de 2 millions de marques. Ah oui, je me souviens de l'avoir lu dans le journal à l'époque. C'est une bijouterie qui est dans le quartier piétonnier, c'est bien ça? Oui, le meurtrier s'est enfui à pied et une passante l'avait remarqué, parce qu'en courant, il a perdu une partie de son butin. Des bracelets, des colliers. On a fait établir un portrait-robot à partir des déclarations de ce témoin et ce portrait-robot ressemblait tout à fait à un de nos anciens clients. Berthold Kram? Exact. Et quand on est allé chez lui pour l'arrêter, on s'est aperçu qu'il était déjà en prison à la suite d'une autre affaire. Le lundi matin, lorsque les employés étaient arrivés sur leur lieu de travail à la Caisse d'Épargne, ils avaient découvert qu'il y avait eu effraction. Du travail qu'on pourrait qualifier d'amateur, ils n'avaient pas emporté le moindre fric. Ils avaient laissé partout plein de traces. Et même leurs empreintes digitales, qui étaient celles de vieilles connaissances. Berthold Kram et Heinz Rose. Exact. Ils ont avoué tous les deux et ils en ont pris chacun pour 4 ans et demi. Et vous pensez qu'en fait, ils avaient monté le coup de la Caisse d'Épargne uniquement pour leur servir d'alibi pour l'affaire de la bijouterie, parce que Kram avait été aperçu par cette passante? J'en suis intimement persuadé. Mais ils ont tous les deux déclaré la même chose. Ils ont tous les deux dit qu'ils étaient entrés le samedi matin dans la succursale de la Caisse d'Épargne, qu'ils avaient tenté de percer le coffre-fort à l'aide d'un chalumeau et qu'ils n'avaient renoncé à l'ouvrir qu'au bout de 10 heures. De cette façon, Kram ne pouvait plus être accusé du vol du bijoutier et du meurtre. Or, il pouvait n'avoir pénétré dans la Caisse d'Épargne que le dimanche ou pendant la nuit. C'est bien ce que je pense. C'est ce qui a dû se produire. Mais comme les deux déclarations étaient conformes, on n'a rien pu faire.
bière? Il n'y en a pas dans le frigo. Peut-être à la cave. Je n'en sais rien. Mais enfin, il attend qui? Aucune idée. Hey. J'espère que Maître Franck ne va pas tarder à arriver. Va ouvrir et surtout tu dis que tu es seul. Et n'oublie pas, je garde mon flingue pointé sur toi. Et pense aussi à ton petit copain. Et surtout pas un mot, sinon je serai obligé de te faire du mal. Allez, obéis bien sagement et t'arrivera rien. Drôle de surprise. Halt! Ça fait plaisir de te voir. Non, c'est vrai, mais je suis très content. N'approche pas. Moi aussi, je suis content. Je te le signale à tout hasard, mon index est toujours aussi nerveux. Ils n'ont pas réussi à me soigner quand j'étais en tôle. Toi, va t'asseoir et ne bouge plus. Tourne-toi. Plus vite que ça. C'est qui ces deux-là? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai des bons amis et je n'ai aucun secret pour eux. Où est ma part? Je suis venu pour toucher ma part. Calme-toi, attends que je te regarde. La ferme! Tu as bonne mine, c'est vrai. Tu n'as pratiquement pas changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ça fait longtemps. Ouais, 3 ans. 3 ans, tôle. Pour toi. Rien que pour toi, pour que tu aies un alibi. Je le sais bien, Heinz. J'en avais pas besoin, moi. J'avais rien à voir avec le bijoutier, rien à voir avec cette histoire. Mais toi, sans mon aide, tu risquais d'en prendre pour longtemps. Ouais. Tu risquais perpète. Pour meurtre. Bien sûr, et ça, je ne l'oublierai jamais. Oui, c'est ce que tu m'avais dit il y a 3 ans. Et tu m'avais dit autre chose. Tu m'avais promis que tu me donnerais la moitié du butin. Tu m'avais promis qu'on aurait chacun 1 million. Mais arrête de parler de ça. Il y a des témoins, tu risques ta tête. Pas moi. Non. Moi, je ne risque rien. Mais moi si, alors pourquoi tu fais ça? Je t'ai toujours fait confiance, toujours. Du jour où on s'est connus, j'ai toujours fait tout ce que tu me demandais. Je suis même allé en prison pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne crois quand même pas... Tu ne crois quand même pas que je voulais disparaître, sans partager? Non. Alors pourquoi tu as attendu la nuit pour venir ici? Pourquoi tu t'es mis à paniquer quand tu m'as vu? Arrête, Kram. Je t'ai dit d'arrêter. Si tu me descends, tu ne toucheras rien. Si. Si, je toucherai ma part. Tu finiras par me la donner. Tu fais erreur. Ce que je vais t'apprendre va te faire autant de peine que ça m'en a fait. Regarde autour de toi. Il n'y a que de nouveaux meubles. Et alors, ça veut dire quoi? Où sont les anciens meubles? Où est Yvonne? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je veux dire que le butin ne se trouve plus ici. Il n'y a plus ni les bijoux, ni l'argent. Mais... tu m'avais juré que c'était caché ici. Il était caché ici. C'est ça qui m'a permis de tenir. Pendant 3 ans. Tu m'avais dit que tu avais tout planqué dans la maison de ta fiancée. C'est vrai? Je m'en souviens. Tu m'avais même juré qu'il était ici. Bien sûr, c'est ici que je l'avais caché. Mais tu vois, il y a de nouveaux meubles et il n'y a plus Yvonne. Tu veux dire que tu ne savais pas qu'elle avait déménagé? Déménagé? Bien sûr que non. Comment je l'aurais su? Elle a rompu nos fiançailles tout de suite après mon arrestation. Et pas une seule fois, elle m'a rendu visite. Pendant que j'étais
Oui. Oui. Maintenant, je commence à comprendre. Quoi? Ouais. C'est ça, l'explication. Vas-y, demande-toi aussi pourquoi elle a déménagé. J'en sais rien, moi. Pourquoi? Enfin, réfléchis. Elle? Tu crois que c'est elle? Oui. Elle l'a trouvé. Je l'avais caché dans le socle de la vieille armoire. Mais c'est pour ça qu'elle a rompu les fiançailles. Elle est partie avec le butin. Je te crois pas, Bertie. Tu veux me rouler. Mais c'est plus aussi facile qu'avant. Il faut que tu sois plus malin. Tu sais lire. Alors tu as bien vu qu'il y avait un autre nom sur la porte d'entrée. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé qu'Yvonne s'était mariée ou qu'elle vivait avec quelqu'un. Arrête de te foutre de moi. Je l'ai bien vu au moment où tu es rentré. Tu savais exactement à quoi t'attendre. Elle a ouvert la porte, tu l'as attrapée et tu es tout de suite venu vers le salon. Parce que le butin est caché là. Et tu vas me dire où. Je compte jusqu'à trois. Un. Deux. Fuyez! La prochaine, je te la mets dans le genou. La suivante, entre les jambes. Un. Deux. Non, arrête! Attends. T'es complètement malade ou quoi? Bon, ça va, t'as gagné. Tout est là. Où? Devant des témoins, tu trouves ça malin? Ça, c'est ton problème, pas le mien. Alors, où est-ce qu'il est? Oh, il est dans cette pièce, dans le mur, là-bas. Montre-moi l'endroit. Ah, à l'époque, Yvonne a fait faire plein de travaux dans la maison. Puisqu'on voulait se marier, alors j'ai fait... J'ai fait simplement un trou dans le mur du salon et puis je l'ai rebouché. Oui, d'accord, mais où? Ben, je l'ai fait la nuit pour éviter qu'Yvonne ne le remarque. Et le lendemain, les peintres sont venus. Arrête de me raconter tes salades, montre-moi l'endroit. Ah ben, je ne me souviens plus exactement. Alors grouille-toi, cherche-le. N'approchez pas ou je tire. N'avancez pas. Vas-y, tire. Je vous préviens, je vais tirer. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, appuyez sur la détente.
T'aurais pas hésité, hein? T'aurais tiré, toi. Tu m'aurais descendu. Merci. Il y a eu des coups de feu dans la maison. Un voisin vient d'appeler la police. Plus question d'attendre, il faut y aller tout de suite. Mais il faut d'abord savoir ce qui s'y passe. Il y a eu des coups de feu, ça ne vous suffit pas? Oui, raison de plus pour ne pas se précipiter. Ce n'est pas la peine de prendre attention, des risques. Quelqu'un sort. C'est Matula. Dites à vos hommes de ne pas tirer. Monsieur Matula, continuez comme si de rien n'était. C'est Maître Franck qui vous parle. Il y a combien d'hommes dans la maison? Deux. Et il y en a un qui est mort. Lequel? Celui qui était dans ma voiture? Ouais, l'autre est blessé. Il veut que je l'emmène. La maison est cernée. La police va prendre les choses en main. Essayez d'obtenir qu'il laisse sa femme ici. La porte. Et maintenant, écoute-moi bien. Tu vas sortir le premier avec le butin, tu prendras le volant et je te suivrai avec elle. Si tu essaies de me doubler, je la descends. Elle reste ici. Non, pas question. Elle vient avec nous. Si elle vient, je refuse de conduire. Mais alors, c'est elle qui conduira. Vous savez fort bien qu'elle en est incapable. Elle tiendra pas le coup, ses nerfs vont craquer. Si elle conduit, vous n'avez aucune chance. C'est moi qui conduirai. J'y arriverai, malgré ma blessure. Mais pas sans la clé de contact. Je l'ai pas, vous pouvez vérifier. Je l'ai cachée près de la voiture dehors. Vous pouvez vous amuser à la chercher. Vous finirez sans doute par la trouver, mais ça risque de prendre du temps. Elle est où? Tu l'as cachée où? Je vais te descendre. Comme ça, vous n'aurez pas la clé et vous n'aurez pas de conducteur. Jetez d'abord un coup d'œil au pare-choc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez embouti ma voiture. Laisse tomber, on s'en va. Ouais, mais c'est pas possible. Eh bien sûr que si. Tout à l'heure, en reculant, ne me dites pas que vous l'avez pas remarqué. Ah non, non, j'ai rien remarqué. Parole d'honneur. On n'a pas le temps. Où est la clé? Sur le contact. Et où ça? À l'arrière. À l'arrière gauche. T'occupe pas de ça, amène-toi. Ah bah ouais, en effet. Oh, je suis vraiment désolé, excusez-moi. Je vous préviens, j'ai déjà averti la police. Et ils vont pas tarder. Bertie, fais attention. Surtout, n'entre pas dans la maison. Monsieur Matula, où est Madame Gerdès? Ne vous inquiétez pas pour elle, elle va bien, elle est enfermée dans la cave. Si. J'y tenais beaucoup, monsieur Matula.
Je tenais à vous l'apporter moi-même. Elle s'était pas pressée à ce point-là. C'était pas la peine de vous déranger juste pour ça. Mon mari m'attend. Au revoir, Joseph. Au revoir. Très sympathique, cette femme, vous ne trouvez pas? Ah ouais, elle paye cash. À qui de jouer? C'est à moi. Allez-y. Alors là, franchement, maître, vous feriez mieux de laisser jouer votre chien et d'aboyer à sa place. Hein? Si nous laissions de côté les grands mots d'avocat et de maître, et si on cessait de se dire vous? Mon prénom, c'est Rainer. Vous êtes d'accord? D'accord. Moi, c'est Joseph. Alors, à nos prochains carambolages. Oh, merci. Je vous en prie. Non, non. Comme ça. Allez-y. Dénouement, c'est tout.